avant. Voilà, Banksy. Dans mon Banksy qui retrouve 6, mais qui a pris de grosses grosses semelles. Une grosse semelle. On a entendu crier. On sait qu'ils étaient fait expulser l'année dernière, ici même face à Créteil. Chabaclé, son pied droit qui revient dans l'axe, la maison 9 sur une touche avec Krejci, même chose qui s'appuie sur Rivas. Krejci sur le côté droit avec Banksy qui va mettre fort devant le but. Et avec la tête, on ne sait pas parler. Il a décidé de revenir avec Yves Martin sur le pied droit, devant le but, et Johan pour l'attention sur la frappe des maisons 9 peut-être. Moi je vais jouer Chabaclé qui n'est pas hors jeu, qui peut frapper. Oh, le poteau. C'est le poteau et c'est le but. Et c'est le but de Kader Krejci. Le but d'Amédée Kader Krejci. Très bien joué du côté palois, Nicolas, même si au départ Chabaclé aurait dû peut-être jouer plus vite avec Nicolas Véral, mais la finalité est là. Sur ce score de 1-0 pour le Pau FC, qui avec ce score... attention. Là, quand même, attention. Et voilà. Et voilà. Et c'est le deuxième. On en parlait il y a 2 minutes. C'est le deuxième. Et Buaillon qui est expulsé dès la 45e minute. Le deuxième. Alors que c'était un des meilleurs Cristolien sur cette première mi-temps, on le disait. Malaga, on étire le bloc Cristolien et ce sera la mi-temps qui sera sifflée par Monsieur Bouille. Bon, c'est à être important là dans Maison 9 qui l'a mis dans la surface de réparation pour Toussaint. Et c'est Krejci qui récupère le ballon pour Toussaint. Oh, Toussaint bien joué. Oh, le mec était tout seul. Il était tout seul. Ouais. C'est ce qui va. Ah, on va essayer de trouver Rivas. Déboyer. Intérieur avec Gamboa. Attention à ce ballon. Attention avec ce ballon de Lebeau qui avait bien pris ce ballon et bien couvert. Mais Malaga était là. Allez, pouille la baguette. C'est frappé. Avec... Ouh là là. Et c'est là-bas. C'est Boyer. La tête de Boyer, on l'avait dit. Et c'est Maisonneuve qui dégage sur Jebaclé. Allez, attention, ça peut aller vite. Attention du 2 contre 1. Attention au 2 contre 1 pour 6. Attention avec Jonathan Rivas qui est sorti. Oh, c'est à côté. Aïe, 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 aïe. Avec le Romain Lejeune qui était sorti de son but. C'était le but du KO. Il est encore, il a récupéré le ballon. Il va pas la perdre. Oh, le bon ballon. Oh, le bon ballon de Boupenza avec 6. 6 qui rentre dans la surface de réparation. Il va sûrement essayer de jouer en retrait pour son numéro 9 qui a frappé. Et ouais, lui se pose pas de questions. Boupenza